Et Michels. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Les évolutions du commerce international et les attentes des citoyens invitent la France et l'Union européenne à engager une réflexion sur le renouvellement de notre politique commerciale commune. Vous l'avez évoqué, un sujet essentiel pour l'adhésion des citoyens concerne la prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans la politique commerciale en cohérence avec l'accord de Paris. Quelles sont les mesures concrètes que la France propose et les positions qu'elle défend pour rendre systématiquement cette prise en compte dans la négociation des accords, mais aussi dans l'évaluation de leur mise en œuvre? La France est-elle favorable à l'instauration de mécanismes de compensation en faveur du climat à l'intérieur des accords commerciaux? Par ailleurs, des négociations plurilatérales sont en cours sur un accord entre 18 États membres de l'OMC visant à réduire les droits de douane et les barrières non tarifaires sur un ensemble de biens et services environnementaux. Le gouvernement français plaide pour assurer la crédibilité environnementale des produits contenus dans le futur accord et je partage pleinement cette exigence. Quels sont les critères précis qui, selon vous, doivent servir de base à l'établissement d'une liste de biens environnementaux bénéficiant des mesures de libéralisation compte tenu des divergences d'intérêts économiques entre les pays? Quelles sont les principales difficultés qui font aujourd'hui obstacle à la conclusion d'un accord? Il nous faut démontrer que toutes les politiques de l'Union européenne contribuent à la lutte contre le changement climatique. Sur ce sujet, la France a sans doute un rôle moteur à jouer. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole.